de suite, là, c'est la première chose que j'ai dit aux joueurs. Vous pouvez, parce que nous, offensivement, on a été très très moyen. On shoot à 41% et malgré tout, on met 91. Mais le problème, c'est que surtout à l'extérieur, peut-être à domicile, un jour, on mettra 100. Mais à l'extérieur, quand on encaisse 97, il faut rien espérer. Rien espérer. Et je pense que dès l'entame de match, on leur laisse trop de contre-attaques, trop de tirs rapides, trop. On fait des fautes stupides sur les tirs. Je pense qu'on n'est pas prêt, tout simplement. On n'est pas prêt. Donc, t'en encaisses 97 et tu peux pas gagner. Je peux pas rentrer dans les détails techniques. C'est tellement. Voilà, ce soir, c'est. Il n'y a qu'une chose à dire, c'est ça. On fait du 55, mais c'est aussi une histoire de duel. C'est une histoire, voilà, des choix tactiques qu'on en a fait. Comment il fallait défendre sur un tel, il fallait le faire. Et on l'a fait. Mais tu laisses trop d'espace. Tu laisses trop de temps pour que les joueurs s'expriment. Et voilà, c'est simple, hein, ce que je vous dis. Mais ça fait partie du basket. Et à un moment donné, il faut rentrer dans les duels, il faut un peu les bousculer, il faut un peu les sortir de où ils veulent recevoir les ballons et ainsi de suite. Puis là on n'y est pas. Là on n'y est pas. Je pense qu'on est un petit peu aujourd'hui, tout du moins. Attention, parce que je veux pas. Il y a rien de grave. Mais on est plus focalisé aujourd'hui pour essayer de marquer des points que pas en encaisser. Donc ça, c'est pas une attitude et c'est pas alarmant du tout, hein, parce que c'est la première fois que je vois l'équipe comme ça. Mais c'est pas une attitude. À l'extérieur, c'est pas l'attitude qu'il faut avoir. On peut pas venir à l'extérieur et essayer une équipe à marquer 97 points. Dès la première mi-temps, on a vu qu'ils étaient très offensifs. Et voilà, à l'extérieur, on ne peut pas se permettre de laisser une équipe à 97 points. Et à chaque fois qu'on va laisser une équipe à plus de 80 points, on va forcément, je pense, avoir un match très, très difficile. Je pense que c'est plein de choses, des erreurs de concentration, de la discipline en attaque qu'on n'a pas su avoir, avec beaucoup de pertes de balles, etc., sur des situations un peu compliquées. Donc voilà, c'est plein de détails qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas su gagner ce match. Et à nous de rectifier le tir. Et on a un match samedi important, donc à nous de continuer de travailler.